Yo tout le monde, c'est Sarvio, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo assez spéciale. Aujourd'hui je suis avec Germain, salut Germain. Et salut. Est-ce que tu vas bien? Bah écoute, ouais ça va nickel et toi? Mec je suis trop content. Alors Germain du coup n'est pas chez moi, bien sûr c'est à distance. Donc ouais. Dans cette vidéo on voulait la faire mais on peut pas avec le Covid et tout, on peut pas. Mais j'ai reçu un colis énorme, je ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des miniatures agricoles, il y a des tracteurs, plein de trucs. Donc c'est Germain qui a confectionné le colis grâce à Sicu. Donc merci en tout cas à Sicu qui ont accepté de faire cette vidéo avec nous. Donc les amis, dans ce carton il y a 6 miniatures agricoles. J'aurai 30 secondes les amis pour deviner ce qu'il y a à l'intérieur du colis. Les colis sont numérotés de 1 à 6. C'est ma soeur, les amis, qui a tout emballé. Du coup, c'est parti, on va commencer à ouvrir, les gars. Alors, ok, donc là, je t'ai préparé 6 devinettes, vu qu'il y a 6 miniatures à trouver. Je les ai dites à la team, genre j'ai sondé un petit peu et ils ont validé mes devinettes. Donc, j'espère qu'elles vont être à la hauteur de la vidéo. Mec, mais non, alors par contre, les gars, ce qu'il faut dire, c'est que c'est ma soeur. Regardez, mais ouais, regardez la GoPro, les gars. C'est ma soeur. Oh merde. Hey, c'est Noël. Mais mec, ils m'ont donné des bonbons, si tu. Gros, il y a des. Ouais, il y a des bonbons. Les gars, il y a des bonbons, regardez. Sicu m'a donné des bonbons. Et regardez, donc ma soeur m'a tout emballé. Et les gars, dans les commentaires, merci Sarah. Les gars, je veux absolument parce qu'elle a passé du temps à faire ça. Sur les 6 miniatures, s'il y en a que je devine pas, donc c'est soit la team qui va les remporter, soit je vous les ferai gagner, les amis, pendant mon live de 12h. Donc le 20 décembre, normalement, il y a un live de 12h sur ma chaîne. Du coup, bah, je vous le ferai gagner. Bon, les gars, ce que je fais, c'est que ça, je vais le mettre là parce que ça prend trop de place. Non, mais regardez, c'est Noël, regardez tout ça, les gars, c'est énorme. Bah écoute, c'est le cadeau numéro 1, donc du coup Germain t'es prêt? Ok, ça marche, donc je te fais la devinette. Donc la première devinette c'est: je possède un moteur de 580 chevaux, j'ai de belles courbes et je suis vêtu de vert et de beige. Qui suis-je? Donc là vert, je lance beige. Un chrono. Qu'est-ce qui est vert et beige, mec? Donc ça, c'est un truc de récolte? Ça, c'est... Ouais c'est ça. Vert et beige, ça t'aide à trouver la marque. C'est une ancienne. Crone. Ouais, c'est ça. Ouais, mec, voilà. C'est celle-là. Ouais, et ensuite, bah, du coup, ouais, t'as dit ancileuse, donc ouais, c'est ça, ancileuse crone. Je laisse ouvrir ça. Mec, chronomètre, t'as trouvé ça en 15 secondes. Mec, et je vous jure que je suis trop un gosse. Mec, je suis trop refait. Bah du coup déjà ça vous le gagnerez pas. Enfin en vrai, franchement je vous le dis, je vais en garder qu'une en vrai. Je suis mort, t'as dit ça, vous le gagnerez pas, genre c'est à moi. Genre. Mec en vrai, du coup ce qu'il faut dire c'est qu'avec Germain on avait déjà regardé sur le site de Sicu qu'est-ce qu'on pourrait gagner, mais j'ai dit par contre tu commandes ce que tu veux mais je veux pas savoir ce qu'il y a. J'avais déjà vu un petit peu ce qu'il y avait et vert et beige, ah ouais, mais je pensais pas à ça. Je l'ouvre juste en vitesse pour regarder ce que c'est. Parce que Sicu en vrai, ils sont super gentils hein, parce que ils auraient pu très bien genre dire bah non en fait on t'en voit rien. En tout cas merci à eux. Mec elle est propre hein, regardez les gars dans la vidéo, mec elle est ultra stylée. Ok, mec elle est là, mec elle est incroyable. D'ailleurs les gars, du coup vu que je l'ai pas gagné, enfin je vous le dis je l'ai pas gagné pendant le live de 12h sur les 6 miniatures, je vais en donner allez, 2-3 à la team et le reste bah du coup je vous ferai gagner en vrai parce que ça fait plaisir. Comme les presses il me semble, les presses Sicu, on peut ouvrir le côté. Ah ouais ça s'ouvre, regardez le capot et tout il s'ouvre. Regardez les roues elles bougent, bon après c'est ah juste, oui ouais c'est vrai, j'avais oublié. T'as vu c'est stylé détail, ouais. Franchement propre, vraiment super les gars, on passe au deuxième. Ok, bon les amis, on passe au deuxième. Du coup, Germain, donc le chrono, dès que tu commences à faire la devinette, tu lances le chrono, ok? Ok. Vas-y, let's go, quand tu veux. Alors, avec moi, tu peux tasser ton silo d'ensilage sans problème. Mon nom est composé de 3 lettres. Qui suis-je? Je redis lame, donc, mais c'est pas une lame. De 3 lettres? Non, 3 lettres. Une marque en 3 lettres, c'est assez simple en vrai. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Quoi? Une marque en 3 agricole. Lettres. JCB, JCB. Qui est un tract. JCB. Voilà, c'est ça. Quoi, et qu'est-ce qui peut t'aider? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui peut t'aider à tasser ton silo d'ensilage? Bah une lame, non? Non, fini, 30 quoi secondes. Quoi? Non, perdu. J'ai pas trouvé. What? Les gars, par contre, si dans les commentaires vous l'avez quand on fait la devinette, dites-les moi parce que mec, je sais pas, c'était quoi du coup, Germain? Donc c'était une auto-chargeuse JCB. Quoi? Voilà. Mais ça sert pas à tasser? Attends, je l'ouvre. Bah, ça, c'est l'une des possibilités, genre dans les ah non, grosses... c'est pas une auto-chargeuse, c'est une chargeuse. Imagine une auto-chargeuse. Ah oui, ouais, chargeuse, ouais, pardon. Ah ouais. Ouais, auto-chargeuse, ouais. J'avais pas pensé à ça, les gars. Mec, elle est trop belle, regardez. Ah, je suis mort. Ouais, j'ai perdu, mec. Deuxième truc. En vrai, je pensais que j'avais tout gagné. Bon, bah, ok, les gars. bon, bah, nickel, hein. Ça, ça dégage. Pareil, je vais l'ouvrir. Let's go, ouvrir. Les gars, par contre, si vous kiffez, n'hésitez pas à laisser un petit like. Déjà pour soutenir Sicu, c'est Germain qui a fait les devinettes. En vrai, c'est Germain qui a tout fait. Moi, je suis juste là. Moi, j'ouvre juste. C'est un peu okay, le regardez-moi roi, ça, les gars. C'est pas mal. Hein. Mec, niveau détail, elle est super belle celle-là. Il a le seum d'avoir perdu maintenant. Mec, regardez les gars. Mec, par contre, c'est. Mais mec, elle est trop belle. Ça a tourné tout ça. Puis, va... oh la gueule du bordel. Oh, regarde, mec, comment ah, avec ça, tu mets pas de temps. Hein. Impeccable, les gars. Bon, bah, nickel. On passe au troisième. Du coup, bah, j'ai perdu. Bon, les gars, c'est parti. Troisième article. Attends, il y a quoi? Il y a le 5, il y a... Oh, il y a un catalogue. J'ai reçu un catalogue. Ouais, t'as vu ce qu'il y a dessus, Germain? Ah ouais, il y a le fameux... Il y a le Xerion, les gars. Ça annonce peut-être une prochaine vidéo. Hein. Là, c'est le numéro 6. On est au 3, on est combien? On est au 3, là, encore. J'ai plus de son, Bastien.
Bon les gars, il y a eu un petit problème de micro, on est de retour. Du coup, j'ai ouvert, enfin j'ai pris ce cadeau, enfin ce gros truc tout à l'heure, j'ai fait, mais attends, mais c'est quoi ça? Et du coup, donc, c'est un PC le truc. Bon, bref, du coup, c'est pas celui-là. Le numéro 3, il est. Bah, il est où? Elle est là, il s'est fait voler. Donc le numéro 3, il est petit. Mec, c'est quoi ce? C'est cool, let's go, vas-y, c'est parti. Alors, 30 secondes lancées. Alors, je suis français, j'aime le rouge et mes lames sont aiguisées. Qui suis-je? Quoi? Attends, j'aime le rouge, qu'est-ce qui est rouge? Caz? Non, faut que ce soit français du coup aussi. Français, Renault. Une marque française rouge, avec des lames aiguisées, qu'est-ce que ça peut être? Un broyeur? Bah, c'est pas ça, mais c'est vrai que ça pourrait. Une épareuse? Non. Parce que je sais qu'il y avait des épareuses sur le site. Quoi? Mais mec, donne plus d'indices. Bah là, on a dépassé les 30 secondes. Mec, mais c'est impossible! Attends, j'essaie de deviner. Déjà, une marque française rouge. Déjà, c'est vrai qu'on peut se concentrer sur le matériel. Quel matériel qui a des lames aiguisées? Si c'est pas une épareuse ni un broyeur, qu'est-ce qui reste? Pense au DLC Alpine. Ah, une faucheuse! Voilà, enfin. Quoi, c'est une faucheuse là-dedans? Et du coup, une marque française rouge en faucheuse, qu'est-ce que ça peut être? Qu'une? Non, pas. Ouais, qu'une. Ouais, si, c'est ça, bien joué. Quoi, c'est ça? Bon, bah, j'ai perdu, mais quoi? Oh, mec, par contre, elle est magnifique! Mec, bah, magnifique, elle part aux abonnés. Mec, c'est incroyable, mais j'ai pas trouvé du coup. Mais par contre, si un abonné gagne, il va pas gagner juste une faucheuse. Il va la prendre avec sa main, il va faire. Bah mec c'est stylé, attends je l'ouvre les gars. Attends mais c'est vrai que là j'ai un point sur 3 ça pour l'instant. Ah ouais mais après c'est vrai que c'est dur 30 secondes donc. Mais regardez tout, mais attends ils font des trucs stylés en vrai. Attendez, je vais la mettre sur mon tracteur, je reviens. Les gars regardez j'ai trouvé ça. On va essayer de l'atteler parce que logiquement c'est un tracteur que j'ai reçu de New Holland. Du coup merci à eux, ils gèrent. Non, normalement on peut l'atteler je pense, je sais pas. Bon les gars j'arrive pas à l'atteler, c'est pas grave mais elle est propre hein. Ok bon bah j'ai pas trouvé, on passe au prochain article. Ok, numéro 4. Let's go, allez go. Numéro 4, c'est lequel? Alors, il y a le numéro 6 qui est là. Oh, oula, qu'est-ce que c'est ça? Numéro 4, c'est celui-là? Non, c'est le 5. Mais mec, regardez tout ce qu'il y a comme colis. Non, c'est le numéro 4. Savoir. je savais. Mec, il est énorme. Par contre, mec, chose douce, ils nous ont donné des bonbons. Attends, je vais en prendre un. Ouais, vas-y, goûte un bonbon sicu, ça. C'est quoi? Je goûte c'est un bonbon. Moi, je dis goût fraise. Qui dit ça dans sa vie? Mec, c'est des voitures. Ouais, c'est des bonbons quoi. C'est de la SF. C'est des bonbons quoi. Vas-y, 3-2-1, let's go. Ok, donc pour la quatrième devinette. Alors, j'aime les chenilles et battre certaines plantes. Je suis d'ailleurs numéro 1 dans ce secteur. Qui suis-je? Ok, à chenilles, tu bats classe. Ouais, numéro 1 dans ce domaine-là. Et c'est une moissonneuse classe. Voilà, c'est ça. là, t'as trouvé. Donc est-ce que c'est la 780? Presque, mais je sais plus. Ah non, c'est la 5000. Non, bah c'est bon, j'ai trouvé quoi. Ouais, c'est ça. Vas-y, ok, mais j'ai trouvé, les gars. Ok. Bon, du coup, c'est pas un papier de Noël celui-là. Attends, mais quoi? Mais c'est énorme. Bah, là-dedans, il y a tout. Hein. Il y a le chariot. Oh, y a mec, c'est le mec. What? Gros, c'est le meilleur cadeau qu'on a eu là. Le machin il fait 20 mètres de long genre. Mais mec elle est magnifique. Bon les gars non mais vraiment sans rire, vraiment hors vidéo et tout là, non mais vraiment c'est ultra beau hein. Bah soyez au fond il y a ma classe. La classe du coup bah, elle aura ça de sa grande sœur qui va arriver. Parce que moi c'est une classe avec son 600. Logiquement vu que j'ai gagné, vous êtes pas censé le gagner, ni la team ni vous. Mais en vrai je vous le dis je pense que je vous la ferai gagner parce que j'en ai déjà une. Mec mais ils ont géré, il est où le chariot de coupe? Ah il est là. Bah il est là. Par contre mec je crois que c'est exactement le même que celui que j'ai. Mec je crois que c'est exactement le même. Attendez. Ça Attends, mais regarde ton micro aussi là. Il est parti sous ton pied. Mais attends, tu m'entendais pas? Si, on t'entendait, mais ça faisait boum. Ok, du coup, regardez les gars, ça c'est le plateau de ma Lexion 600. Et ça c'est le plateau de. Bah, c'est le même. Mec, c'est exactement le même. Et les barres de coupe, est-ce que c'est les mêmes? Mec, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est la moissonneuse qui a changé. Attends. Les chenilles, elles sont en. Il a pété le truc. Désolé si vous recevez un colis cassé les abonnés, il y aura ma trace de cul dessus. Enfin, et du coup regardez, vous pouvez ouvrir la trémie comme ouais. Ça. Ah ouais, tu peux tout ouvrir. Bah, je sais mais j'ai la même. Et les gars, si vous la gagnez celle-là, vous allez être refait, moi je vous le dis. Voilà, ouais, tu peux ouvrir la vis, tu peux ouvrir tous les capots normalement. Ouais les capots, le capot de en haut, c'est un des meilleurs mecs que j'ai vu. Bon les gars, on a eu celle-là, même si j'ai gagné, je vous la ferai gagner. Ça sera soit sur Instagram, soit pendant l'aide de 12h, mais du coup venez sur Instagram parce que je vous ferai mettre un petit concours parce que franchement elle est incroyable. Ok bon Germain, pour l'instant j'ai combien de points là? Tu as 2 points et 2 mauvaises réponses, okay. Qui veut dire que t'es à 50% de réussite. Bon les gars, c'est l'avant-dernier colis. En vrai, j'aimerais bien quand même gagner les deux. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, du coup, bah vas-y, Germain, quand tu veux. Bah justement, si tu la trouves, franchement, gros respect à toi, parce que là, c'est presque impossible à trouver. Du coup, vas-y, Germain, quand tu veux, let's go. Cinquième devinette. Alors, je suis rouge et j'effectue une rotation à chaque fin de ligne. Désormais, c'est Amazon qui s'occupe de moi. Qui suis-je? What? Alors, c'est parti pour 30 secondes. J'effectue des rotations à chaque objet... bout de ligne. Un enrouleur? Voilà, c'est ça. Non. Qu'est-ce qui tourne à chaque fin de rangée dans un champ, en fait? Un tracteur? Non.
Ça permet de travailler la Terre. Qu'est-ce qui permet de travailler la Terre? Des chômeurs. Qui tournent. Ça fait une rotation à chaque fin de ligne. Quoi? Non, là, arrête, là. Mec, je te jure, mec, qu'est-ce qui fait une rotation à chaque fin de ligne? J'en sais rien, mec. Une herse rotative? Non, c'est fini, 30 secondes. Est-ce que tu veux que je te donne la réponse tout de suite? Attends, est-ce que les abonnés, vous avez trouvé, là? Dans les commentaires, notez à chaque fois, genre, si vous avez trouvé ce que c'est. Je suis sûr, ils ont trouvé. Vas-y, du coup, j'en... Alors, l'objet, c'était une charrue. Quoi? Attends, tu vois, ça a été racheté par Amazon. Ouais, c'est la marque, elle la connaissait pas avant. Ah, c'est Vogelnut. Ouais. Par contre, mec, en vrai, elle est ultra belle. Franchement, même tout est super bon. Je suis trop, franchement, c'est trop bien. Bon, mec, j'ai perdu. Mais ouais, mec, oui, mais c'était. Mais toi, tu savais, c'était logique. Moi, je pensais que genre, c'était un. Qu'est-ce qui tourne? C'est un rouleur, un tracteur, j'en sais rien, moi. Une rotation, en vrai, j'ai dit. Ça ouais, fait c'est une vrai. Rotation, est-ce que vous aurez trouvé, vous? Tout le monde a dit, bah oui, moi, j'aurais trouvé, en fait. T'es nul, Stervio. Je vais pas l'enlever parce que du coup, vu que j'ai perdu, vous la gagnerez. Donc, je l'allais dans l'emballage. Mais en tout cas, elle prend mal. Pas mal du tout. T'as bien choisi, Germain. Ouais, bah, il y a pas que des trucs incroyables. Il fallait aussi qu'il y ait des choses assez intéressante et fun dans la vidéo, quoi. On va ouvrir le dernier colis, vous me direz à la fin lequel vous aurez kiffé le plus. Du coup, c'est parti, dernier article. Bon, Germain, juste un indice avant que ça commence. Est-ce que tu sais, un petit indice juste pour m'aider? Alors, avant, c'est atypique. L'indice, c'est atypique. Quoi? L'objet, il est atypique. Quand tu vois la marque, tu sais directement de qui il s'agit, en fait. Ok, bon, mais vas-y, mec, tu me laisses 30 secondes et il faut qu'on... Les gars, on va essayer de gagner. On met une musique épique. Les gars, c'est parti, vas-y, let's go. C'est parti pour la dernière devinette. Alors, j'adore les couleurs flash comme le orange et le vert. Transporter n'est pas un problème pour moi. Qui suis-je? Classe. Allez, c'est parti pour 30 secondes. Non, qu'est-ce qui est orange et vert avec des couleurs flash? Orange et vert? Ouais, orange et vert avec mes limites fluo, tu vois, non. Orange fluo et vert fluo. Non, et ça permet de transporter. Qu'est-ce qui transporte? Qu'est-ce qui permet de transporter? Mais je trouve pas. Transporter des choses, Je sais pas moi, un plateau? Non. Un camion? Non, presque un camion, mais c'est pas ça, mais ça permet. Et une ça, benne? Ouais, une benne, voilà. Et qu'est-ce qui est flashy? Josquin! Oh là là! Oui! Oh là! C'était ça, mec, c'était ça? Bah, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et vraiment à être resté une seconde. Oh, mec, j'ai trouvé! Oh, mec, je suis refan. Mec. Mec. Ah, ok. Je pensais que c'était genre une benne Josquin, tu sais, les bennes Josquin qu'on a dans Farming. Ouais, là, en fait, c'est une benne Josquin en silage, mais en vrai, on va quand même te compter le point. Ah, les gars, s'il vous plaît, mais dites-moi, GG. Est-ce que vous avez trouvé? Mais à la fin, oui, mais. Mais c'est des choses, Germain. Ouais, voilà. Bah après, c'est vrai que. Stresser, tu vois, cette marque-là, en fait, quand tu la vois, tu reconnais direct, tu vois, le orange flash et le vert flash, tu vois. Bon, au début, je pensais à Amazon, mais j'ai dit, mais non, Amazon, non et tout. Bah, c'est pareil, hein, c'est presque pareil qu'Amazon, sauf que Amazon, le vert est un peu plus foncé. Et c'était incroyable. Franchement, on a ouvert tous les colis. C'était juste incroyable. En commentaire, vous me direz lequel vous avez kiffé. Moi, clairement, le meilleur en vrai. Bon, la batteuse, forcément, là, c'est la batteuse. Mais sinon, j'aurais dit. Bah, l'ensileuse est propre. La charrue est ultra propre. Et en fait, tout est propre. Tout est propre. Mec, tout est stylé. Non, mais c'est vrai. En vrai, ce qu'on va faire, les gars. Germain, c'est celui qui a préparé toute la vidéo. Vous allez marquer en commentaire, les gars, qu'est-ce que vous voudriez que Germain gagne dans tous ses colis. Je lui envoie n'importe celui qui veut. C'est gentil. Et tout le reste, je vous le ferai gagner en vidéo. Donc, venez sur Instagram. Et du coup, Bastien-Dubaster. Et l'Instagram de Germain s'affiche. Bah, c'est Germain Vlog Agricole. Tout attaché comme ma chaîne YouTube et je vous posterai la photo donc de la miniature que j'aurais gagnée en identifiant Bastien. Voilà. Bon, mais écoutez, Germain, encore une fois, merci parce que c'était où? En vrai, je kiffe trop, mais je kiffe vraiment trop. Genre, c'est trop bien. Bah, même moi, franchement, c'est moi aussi, je te remercie pour cette vidéo parce que j'ai kiffé l'affaire. Franchement, ce genre de vidéo, je trouve ça vraiment amusant et j'espère que vous aussi vous avez kiffé. Ouais, j'espère que vous avez vraiment kiffé aussi, les gars, parce que c'était incroyable. Donc, en tout cas, merci à tous. N'hésitez pas, monsieur, à exploser la barre de pouces bleus. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Starve Germain. À la prochaine, les gars. Allez, allez, ciao, salut.